Salut mec, c'est parti. Je filme en 60 ce coup-ci pour pouvoir faire quelques ralentis éventuellement. On a fait un circuit un peu plus rapide sur lequel ce petit bestiau devrait être à l'aise. Je pense même que le pignon du coup sera un peu trop petit. Mais on va voir ce qu'il va nous dire. Qu'il est la rampe. Ah, dommage la branche. Ça c'était couru d'avance. Ça aussi, vous lui tournez trop tôt. Ouais, chantier. Bah ouais, c'est pas un monster truc.
Ouais, c'est pas un tir. On va mettre des carottes après. J'essaie de piquer un peu trop du nez. Ah bah ça c'était nul. Ouais, je vais me mettre en un endroit fixe. Hein. Bien beau de se déplacer. Ho, 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 ho.
Nul. Alors, c'est fini, il n'y a plus personne. Manu, il a la dalle. Alors là, vous avez vu, en fait, j'ai réglé la machine un tout petit peu plus ferme sur le tarage. Et je me renverse beaucoup plus déjà qu'avant. On va donc diminuer ce tarage à nouveau. Et on va voir la différence. J'arrive. 2 secondes. Voilà. Hop. Thank you.
Ah, damned! Ah, c'est bon, j'ai réussi à sortir. Tourner au moment du rebond, mauvais. Ça va, Méline? Tu leur montes la cage? Elle est cassée? Comment ça se fait? C'est quand il veut qu'il mette les vis. Voilà. Où es-tu? Raté.
J'ai essayé un transfert. Alors, c'est vrai que moi là-haut, j'ai une super vue de la dernière petite pierre là, et c'est celle-là qui me piège. Faut que je fasse gaffe. Ce petit morceau là en fait je les sens trop tôt et quand je prends le virage ça me fait baigner. Et le transfert était comment? Alors pas évident d'avoir un bon visu sur l'ensemble, là comme j'ai fait ça allait, en faisant deux tours ça devient pas trop ennuyant, c'est sûr si tu fais toujours le même ça devient chiant, c'est un peu dommage, j'aime bien le petit saut là-bas en bas, peut-être éventuellement le rapprocher ces petites rampes par ici d'une façon ou d'une autre pour pouvoir en profiter autrement, et puis voilà on va passer à l'engin suivant. Allez, on va le planter en bas.